Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. Excusez-moi, j'ai failli dire Starbound. Donc nous avons repris là où nous étions, un peu plus loin, hein, simplement. J'ai pas arrêté de courir. Histoire que vous ne ratiez rien de l'épisode. Donc nous allons récupérer notre campagne de recrutement. J'ai laissé le véhicule au loin exprès pour pouvoir faire un... Bon, une astuce, mais un petit glitch, tout simplement. Exploiter une partie du jeu, quoi. Et donc, nous allons essayer de nous la refaire. Une dernière fois. Donc, je sais qu'il faudra que je vienne jusqu'ici aussi, à un moment. Je vais prendre le véhicule qui sera là. Bien penser à prendre le deuxième. Hop. Stingray. Déployer le véhicule. Monter dedans. On retourne prendre la quête. Hop, on évite de se cogner. Ouf. Alors, maintenant qu'on y est, on se gare bien, on gagne un maximum de temps. Enfin, on se gare bien, on gagne un maximum de temps. Oui, on a fait les deux en même temps. Hop, on reprend la quête. Ça marche là? Le front révolutionnaire de Concordia a encore besoin de toi. On manque de membres, mais heureusement, Gabi a imprimé beaucoup d'affiches. Tu pourrais aller les chercher? Elles sont dans notre base secrète. Et ce serait bien que tu aies une arme incendiaire. Ah, si tu croises des affiches de nos adversaires, n'hésite pas à les brûler. Ça me ferait marquer des points auprès des autres. Il faut vraiment qu'on investisse dans un générateur d'oxygène pour la base. Oh, mercredi! J'ai encore pas vu le temps passer! On a une réunion du conseil du FRC dans quelques minutes et j'ai pas besoin que Karen me lance un regard noir parce que j'ai pas fait ce que je devais faire! Oui, oui, c'est bon. Je t'envoie l'emplacement des affiches sur ton système écho. Fais vite! Je suis déjà pratiquement arrivé à la première, banane. Oh là 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 là. On n'est pas aidé, les amis, on n'est pas aidé. Alors, juste pour voir sur la carte, on a le point ici à récupérer ensuite. Ensuite, nous, on est garé là-bas, on pourrait faire les trois. Je vais maintenant. Il faudrait gagner peut-être un petit peu de temps. Hop. C'est parfait comme ça, merci. Mais vite, il y a encore d'autres endroits qui méritent de recevoir les flammes de la révolution. Fais vite. Oui, oui, bah, je fais ce que je peux. Hein. Elle est à peine stressante en plus, la fille. Hop. 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 On y est presque. Le slogan, c'est de moi. Contre les torques, rétorque. On va en faire des t-shirts. Je dirais, on peut bien faire des pas de géant sur la lune, ça vaudra jamais un bon bolide. Un Stingray. On monte dans le véhicule qui est loin. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah ah. Ce fail. C'est bien dommage. C'est une bonne grosse perte de temps. Bien fait pour l'armée de libération des peuples. Heureusement qu'ils ont collé ça sur un endroit atmosphère. La viande est pour le barbecue. Hop. Ça, c'est ce que j'appelle gagner du temps. Génial! Gabi voulait qu'on accroche des affiches au centre-ville pour que tout le monde les voit. Non, mais ça, elles se feraient arracher tout de suite. Et on a quand même payé pour les faire plastifier en cas de pluie. Maintenant que j'y pense, Gabi était pas la reine des bonnes idées. Hop. Arrête. Vite, vite, vite. Ha! Ça fait deux affiches de l'armée de libération. Oui, oui, bah je fais ce que je peux. Ils vont perdre un temps fou à tout réimprimer. Moi qui pensais que ça allait fonctionner mon truc.
Ça fonctionne même pas. C'est un fail. Ah ah, bonne idée ça. Oula. C'est casse gueule, c'est toi. Hop, c'est parti. Il y a sûrement des gens qui vont me dire, mais pourquoi t'as pas passé par en dessous ou un truc comme ça. Il doit y avoir un passage en dessous, je suis sûr. Mais bon, c'est pas grave. Parfait. L'armée de libération des peuples y réfléchira à deux fois avant de coller des affiches ici. Enfin, j'espère. Reviens au panneau de prime que je te paie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai pris autant de dégâts? Nina, soigne-moi. Ah, il faudra qu'on essaye ce truc-là. D'ailleurs. Pourquoi défoncer les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? Galactic Splitter, à quoi il ressemble? Il est classe. C'est moche mais classe. Je sais, ça veut tout dire. Hyperion, ça m'intéresse pas. Faites-leur un deuxième coup de balle aux méchants. C'est pas mal. Mais bon. Passez dire bonjour, hein? Donc, on va remonter. Le collectionneur est un gros crevard. Je n'ai pas de déplacement rapide ici. Mais bon, c'est pas grave. Il faut retourner chez Dal, c'est ça? Voilà, chez Dal. Ensuite, on peut aller à Concordia, je pense. Ah non, il y a le ravin gelé d'abord. Le ravin gelé, c'est à côté de chez Dal. Donc, on va aller d'abord au ravin gelé. On n'y est jamais allé. En fait, je crois que les dégâts des lasers sont des dégâts de feu. Hop! Bonjour. On se connaît là-dessus, je pensais que c'était une image holographique, génial. Le ravin gelé, c'est où? Je suis connu contre quoi? Ah, ça doit être là-bas. C'est par où? Ouais, j'ai jamais eu le sens de l'orientation. Mais ça mène à rien. Ah ah, d'accord, ok. Le ravin gelé, se rendre dans le ravin gelé, c'est bon, j'y suis allé techniquement. Je dis bien techniquement. Attendez. Ok. Donc le passage par là n'est pas utilisable. Autrement dit, on y va à pied. Et on prie, chers amis. Me faire plaisir un peu. Je pense qu'on en a le droit. Classe de grotte être spécial. Elle contenir méthane, éthane et autre chose en âne, très résistante. Mais faire vite, grotte être gelée et dangereuse. Gardez sang froid. Nina faire blague. D'accord, en fait toute la zone est bulée là. Ok, c'est pas grave. Prudence, entrez dans le vide. Foreuse, bien marché. Ok. Prendre les morceaux de glace. De vouloir jouer. Toi jouer à les tuer et prendre glace de Nina. Que justice soit faite. Ok, ça c'est fait. Alors, faire c'est bestiole dangereuse ici, toi tuer. Rajoute. C'est parti. J't'ai...
quelqu'un a des balles? Prendre glace spéciale, puis déplacer. Ah oui, ça va y s'en doute un petit peu. Pistolet, ça n'a pas marché des masses. Faudrait une arme avec une bonne cadence de tir. 4-2, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est foreux autre endroit. Je peux plus. Bien, la foreuse a terminé. Déplace-la pour qu'on ait plus de glace spéciale. Où est la fameuse chougourate? Dégaine ton arme. Blaou. Sadique. Boum. Mate un peu ça. C'était moins bien. Je préfère mon pistolet, à vrai dire. Un vrai talent pour crever. On va la placer. Fort, petite machine. Ah, une munition de pistolet, ça c'est cool. Et 250 000 et dégâts explosifs. C'est cool. C'est parti! Ok, on avance progressivement. Est-ce que j'ai assez de munitions pour reprendre mon pistolet? 54, c'est pas beaucoup. Mais non, c'est pas ça que je veux prendre. Je vais prendre ça. Hop. Allez, sors-moi. Pierre lunaire, non, c'est pas ça. Putain, j'y ai cru. Ouh. Ah, bah des munitions, je suis con. Bien, prendre glace, puis déplace foreuse, autre endroit. Que... Voilà. Je suis pas aidé. Hein. Dernier endroit pour la foreuse, chers amis. C'est très bien. Déplace la foreuse une dernière fois. Oui, oui. J'ai bien compris. Hey, bonjour. Mon verre est aussi chaud qu'un cul de dragon. Rapporte-moi cette glace spéciale et je te filerai un super fusil à pompe. Je préfère aider Claptrap, j'aime pas Nina. Viande et sans faire glace étrange, pas être normal. Oh la belle bête. Oh Chougourat, parti avec foreuse de Nina, tu bestiole. Tu bestiole. Le plaisir dans la douleur. Là, glace spéciale, prends. Glace spéciale? Spécial. Ah oui, glace spéciale. Tu prendre foreuse, allez. Prendre foreuse? J'ai pas vu. Ah là-bas. Très bien. Bon travail. C'est pas une Indiana Jones. Apporte glace et foreuse à Nina. Vite! Je sens drôle d'odeur. N'oublie pas mon verre! C'est virtuellement une urgence médicale! Alors, on va commencer déjà par regarder les points qu'on a. On a un jeton de Brutas, qu'on va mettre dans chance d'effet élémental. Et un point ici. On va mettre ici. Tout simplement. Hop. Alors oui, vous allez me dire, oh mais t'as pas fait en sorte d'améliorer ton... Ton comment, ton... Oh, c'est nouveau ça. Ton fameux chasseur de l'arche, ton... Ton mode de classe. Excusez-moi. Alors oui. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai l'intention de le changer. Vous allez danser les trous du... Regardez. Ne m'est pas utile du tout. Un brutal. J'ai cru lire brutal quelque part. Où toi? T'es déjà mort! Un troisième chargeur, allez! C'est bon. Ça c'est fait. Ça aussi. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Par une zone, on peut pas rentrer. On doit pouvoir rentrer.
Je teste, hein, après tout. Bon, apparemment, on peut pas encore y rentrer. C'est pas grave. Wow. Let's keep going, guys. Alors. On progresse, ça fait toujours du bien. Alors, je sais pas combien d'épisodes je vais tourner. Ça doit être mon deuxième ou troisième, celui-là. Je ne sais plus, le troisième de la journée. Sans compter. Non, c'est tout. On a trois à tourner aujourd'hui, normalement. Bon, on verra bien. Hein. Hop, je rapproche un peu le micro. J'espère que ça a été pour le son. Beau flingue, hein, quand même. Moi, j'aime bien les Jacobs. Je trouve qu'ils ont une super gueule. Même si j'ai comme l'impression que le viseur est un viseur Maliwan. Ça y ressemble beaucoup. Mais bon. Alors oui, c'est parce qu'en fait, je crois que la plupart des armes sont composées de différentes... Prudence, différents canons, différents trucs. Et donc, par exemple, là, vous voyez que le barillet est complètement Jacobs. C'est le barillet, c'est du Jacobs. Donc voilà. Par exemple. Oh, waouh, t'as réussi. Oh, oui. Merci. J'ai récupéré plein d'armes de type glace. Karen vient d'arriver. Ah, salut Karen. Un biscuit. Biscuit sans gluten. Il est beau celui-là. Oh oui, il est magnifique même. Je vais pas l'acheter, mais il est magnifique. Absolument magnifique. Alors. Ça, je le garde. Ça, je peux le vendre. Hop, bon. À bientôt. Concordia. Cette fois, on rentre. Normalement. Je vérifie. Mais ouais, Concordia. C'est parti. Lorsque vous pillez, tâchez de récupérer les petites boîtes d'oxygène pour remplir vos réserves. Oui, surtout quand on a un réservoir d'oxygène en Chine, pardon. Bonjour, je gardais toi en vie, oui? Courage en bouteille, j'imagine que c'est quelque chose que j'ai, ça. Ça peut être utile, ça. Je le prends. Nazdrovia. Voyons voir ça. Dégâts pistolets, moi c'est principalement ce que j'utilise. Et ce que j'ai principalement l'intention d'utiliser aussi. Hop, et on progresse. Oui, t'inquiète pas, je reviendrai à la prochaine agonie. Voyons. Clap trap, ah t'es là. Si c'est enfin, pas un truc, bar trap. J'en ai un autre. Pas facile de se concentrer avec. C'est bien, tu sais reconnaître les vraies urgences. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire de cette foreuse. Parce qu'on en a jamais trop de deux. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Oui, il y a deux trous quoi. Ok, bon, why not. C'est parfait, merci. C'est exactement ce que je voulais. Alors non, on ne va pas aller faire ça. On va d'abord aller rendre l'autre quête. Enfin, les autres quêtes. En l'occurrence, broyeuse. Qui est ici. Vous pensez qu'il sert à quoi, ce laser? Ah, tiens, salut. Suis-moi. C'était dans l'obscurité. Partout sur la lune, pas un bandit ne bougeait. Même pour du butin, parce que le chasseur de l'arche et Jack, dans sa base, avaient retrouvé le brouilleur du mérif, ce gros crétin. Voilà, je t'ai suivi. Tu vois Bessie là-bas? Oui. Place le lien de désassemblage et la matrice de réassemblage. On va voir si elle repart. Ouais, elle a ressuscité. Mais on va quand même s'en assurer. Avec de la chance, ces petits bijoux peuvent recracher de bien belles pièces d'équipement. Mais faut d'abord savoir quoi lui donner à manger. C'est un peu comme une recette. Tu mets trois armes de qualité égale et t'obtiens parfois une arme de qualité supérieure. Parfois? J'ai des vieilles armes sur la table là-bas. Utilise-les. D'accord. Ce rayon va détruire la lune. Place-les dans la broyeuse. On va voir ce qu'elle te recrache. Ouais, ok. T'as l'air super occupé. Alors je vais m'en charger. On pulvérise. Il faut placer trois objets, soldats.
l'hôpital est opérationnel. J'ai dû me planter quelque part. Tu roupilles ou quoi, soldat? Mais non. Faut... Non, d'accord, je peux broyer avec des pierres lunaires. Séquence de broyage initialisée. Regarde comme elle est belle. Génial. Il y a pas mal de recettes différentes, mais malheureusement, aucun mode d'emploi. Faudra juste expérimenter, même si je crois bien avoir entendu un jour qu'avec des pierres lunaires, on obtenait toujours le meilleur résultat possible. Intéressant. Je te rends enfin, ça. Enfin bref, bonne chance et merci du coup de main. Tu les as bien calmés, ces pillards. Les armes incendiaires adorent se faire... J'ai bricolé un peu ce laser que tu m'as apporté. J'ai abaissé son thermostat. J'aimerais bien voir la réaction des torques. Une autre faune intéressante, Delpis. Ça te dirait de l'essayer en m'aidant à faire un peu de ménage au passage? Ouais. Je vais broyer un truc, tu permets? La technologie de broyage est une marque commerciale de Dalle. Insère trois objets si tu veux utiliser cette broyeuse. En voilà trois. La bon broyeuse est parée, soldat. Je suis aussi à sec. Je regarde pas. Je suis vraiment à sec, quoi. Pour répandre la mort partout. Ça a l'air moisi. Je suis désolé. Alors, cette mission t'es à sec au niveau de tes trucs, ok, aucun pourquoi pas. Droit n'est à l'abri là de bah, ces fouilleurs. Alors, un bon vieux vendeur ici. Les flingues, mon gagne-pain, votre rêve. T'as l'air littéralement moisi, je te vends. On en a jamais trop de deux, je te garde. Je te vends. Je te vends. Je te vends. Je te garde parce que t'es un type feu. Je te vends. Je te vends. Je te garde. Je te garde. Repassez plus tard. Ensuite, hop. Ouh, joli. On mange ça. On va aller voir ce que ça donne. Alors, j'ai toujours pas gagné de tête. Hein. Je sais pas comment ça se fait, si c'est normal ou pas. Et donc, toile de bronze, ça donne quoi? Oh, il est joli. Sur de l'arche resplendissant, oui, je m'en rappelle. Et le vert forêt? Pas mal. Pas mal du tout. Why not? Bon! Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Est-ce qu'on a des choses à faire à Concordia? Non. Bon, et bien sur ce, les amis, nous allons mettre fin à l'épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérisé si ça vous a plu. À commenter si vous voulez simplement venir faire une partie avec moi. Moi, ça me plairait bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur Borderlands, Broforce, Starbound, pardon, et Guild Wars. J'imagine qu'il y aura des nouveautés qui arriveront d'ici peu. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci d'avoir regardé et à demain pour un nouvel épisode.